C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis parti à la rencontre de la vice-présidente déléguée à la culture et au tourisme dans les Yvelines et maire de plaisir, Joséphine Colmans-Berger, pour évoquer le tourisme dans le département des Yvelines. Un département qui, selon l'élu, est chargé d'histoire, mais le tourisme se définit-il seulement par des lieux dédiés ? L'élu nous répond. Ah bah déjà, vous savez, quand on a Versailles, on ne peut pas dire qu'on passe à côté des choses. Aujourd'hui, Versailles, vous le savez, c'est 8 millions de touristes qui viennent chaque année. C'est un lieu extraordinairement important, mais il n'est pas le seul. Hein. Nous avons énormément de lieux, de châteaux, d'espaces de grande qualité historique, hein, avec Port-Marly, avec les châteaux comme par exemple le château de Chevreuse aussi, qui est un château avec un donjon que nous aimons beaucoup. D'ailleurs, actuellement, il y a énormément d'activités qui se passent autour de cet espace-là, qui est un château sur lequel il y a des manifestations actuellement les week-ends, des manifestations qui sont attachées à tout le déploiement du Moyen-Âge, avec des découvertes des médecines du Moyen-Âge, également les métiers du Moyen-Âge et également des actions sur les armes du Moyen-Âge. Donc, quand vous allez là-bas, habillez-vous médiéval et puis vous rentrez dans l'histoire. C'est le château qui a un des plus beaux donjons d'Île-de-France. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller visiter ça. Et on a d'autres lieux extraordinaires comme le château de Monte-Cristo, bien sûr, et j'en passe. Mais c'est important de savoir que l'histoire nous traverse complètement. On fait partie de l'histoire de France. C'est un lieu extraordinaire, notre département. Je n'ai de cesse de le dire. Non, je ne pense pas que ça passe uniquement par les lieux touristiques. Hein. D'abord, il faudrait définir qu'est-ce que c'est qu'un lieu touristique. Moi, je pense qu'un lieu touristique, ça peut être aussi ce jardin, ça peut être à bord de Seine, ça peut être... Ce n'est pas uniquement des choses qui sont labellisées ou répertoriées. Quelque chose de touristique, c'est des endroits que l'on rend agréables, qu'on leur rend, attrayants pour que les gens puissent venir. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être, très varié. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. C'est ma région sur Sensation.